Eh bien, bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne Road to Pilote de Ligne. J'espère que vous allez toutes et tous super bien en ce mardi 25 février. Ah, les vacances, la fin des vacances, je les vois déjà à l'horizon. Putain, ça passe trop vite, ça passe trop vite. Du coup, aujourd'hui, tout comme hier, donc journée, résumé un mot, bibliothèque universitaire. Donc, cette journée, je l'ai passée à la bibliothèque universitaire. J'ai fait des maths, donc de 8h à midi, non, midi 30. Et ensuite de 13h30 jusque 18h, donc de la physique. Donc voilà, non-stop, je kiffe ces vacances. J'aimerais bien être en vacances jusqu'au concours pour être bien prêt. Donc voilà. On fait son maximum durant ces vacances-là pour après être plus ou moins tranquille au vu des concours. Voilà, donc journée bibliothèque universitaire. Donc je vais faire une petite vidéo thématique aujourd'hui. Donc on me demande souvent, on me l'a demandé deux ou trois fois quoi. Ta morning routine le matin. Donc j'en ai pas, pour être honnête avec vous, j'en ai pas du tout. J'ai pas de morning routine. Je sais pas, c'est, en fait, je sens que j'en ai pas besoin moi. Après, je sais qu'il y a des personnes pour qui ça a bien marché, la morning routine, hein. Le fait de se fixer des horaires, etc. le matin, bien de, je sais pas moi, de faire des petits trucs par-ci par-là, histoire de se mettre en jambes intellectuellement, puis même physiquement, hein. Ça m'arrive quelquefois de faire des pompes le matin, histoire de me réveiller, mais c'est tout, c'est pas quelque chose que je fais tous les jours, à une heure précise, et puis voilà. Donc non, j'ai pas de morning routine, par contre, qu'est-ce qui pourrait y ressembler, ou bien... Bon, finalement, j'ai pas de... J'ai juste, en fait, un peu du temps, c'est tout, sur la journée. Je me dis, donc, je vais faire ça, ça, ça et ça, et puis c'est tout. Ensuite, après, bah, j'applique tout ce que j'ai à faire. En fait, je suis assez strict envers moi-même. C'est une particularité que j'ai réussi, pas que réussi, qui m'est venue tout simplement du sport. C'est une valeur que j'ai bien imprégnée et qui s'est très bien intériorisée en moi. Donc la rigueur et être strict envers soi-même. Donc c'est pour ça que quand j'écris sur une feuille que je dois faire ça, je suis obligé de le faire. Donc c'est ça le truc. Et puis non, il n'y a pas de secret, je pense. J'ai pas de morning routine. Après, je vais y réfléchir. Je vous tiendrai au courant demain. Je vais y réfléchir sur une journée, en fait, tout ce que je fais, plus ou moins, qui est plus ou moins orchestré, en fait, qui réfléchit la veille pour le lendemain. Comme ça sera un peu plus élaboré que celle-là. Parce que j'ai eu le message, en fait, avant de faire cette vidéo, et puis je me suis dit, bah, pourquoi pas répondre. Donc, non, j'ai pas demandé une routine. Et puis, donc, je vous en dirai un peu plus demain, du coup, sur globalement, sur ma journée. Comment j'articule un peu tout ça. Sinon, dédicace aux EPL qui passent leur certificat. Donc force à vous, bonne chance à vous. Vous allez tous les valider, donc les EPL de l'ENAC. Force à vous, les EPL de l'ENAC. Ne vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. J'imagine que vous allez très bien travailler, que vous allez bien réviser. Donc, il n'y aura pas de surprise le jour des écrits. Donc là, actuellement, c'est en train de passer, si vous voulez, les certificats. Les EPL, pour ceux qui ne savent pas, c'est les élèves pilotes de ligne. Donc, c'est une formation à l'ENAC sur 3 ans ou 2 ans, je ne me rappelle plus trop. Mais ouais, c'est une formation sur l'ENAC qui prépare au métier de pilote de ligne. Donc, voilà, actuellement, c'est en train de passer des certificats. Et chaque année, ils ont des certificats à passer, à valider. Pour passer à autre chose et puis continuer comme ça à monter graduellement en puissance pour après avoir les clés du sésame et pouf, pilote de ligne.
Mais ouais, non, dédicace à eux. Dédicace aussi à toutes les personnes qui sont actuellement, qui viennent de reprendre les cours, c'est-à-dire les Parisiens ou bien même ceux qui sont en PACES. Donc toutes ces filières-là qui n'ont pas de vacances, donc force à vous, force à tout le monde pour ces vacances aussi, parce qu'il y en a qui sont pas très motivés, mais puis voilà. Après, ça reste des vacances, il faut se reposer, et puis, voilà, profiter. Tous les cas, sur ce, les amis, je vais devoir vous laisser. Ce soir, je vais faire un peu de maths encore, pour 1 ou 2 heures, et puis on va souffler. On va souffler ce soir. On va chill devant Netflix, et puis c'est tout. Dans tous les cas, je vous remercie encore une fois pour votre soutien. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. J'ai des commentaires qui sont juste super motivants et ça me donne juste envie de continuer encore plus. Donc, n'hésitez pas à bombarder de pouces bleus cette vidéo. Ça permet de faire grossir, de gross this channel, you know. L'anglais. Il n'y a pas d'anglais. Il n'y a pas d'anglais. Non, non. Ça permet de développer la chaîne. Puis voilà, donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. C'est gratuit, abonnez-vous, c'est gratuit. Donc tous les jours, nouvelle vidéo, notre rendez-vous à nous. Et puis n'hésitez pas aussi à commenter. Je lis tous vos commentaires et puis j'essaie d'y arriver. Sur ce, les amis, passez une excellente soirée et on se dit demain, 19h30. Sur ce, tchuss!